Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un accessoire qui me sera utile, puisque vous le savez peut-être dans quelques jours, dans à peu près allez, 2 semaines et demie à 3 semaines, je vais au Maroc avec ma femme et mes enfants. Donc ça va être une aventure de plus de 5 000 km, donc 2 500 km aller, 2 500 km retour. Et donc, à cette occasion, on m'a proposé un appareil. Donc, j'ai reçu un mail d'une entreprise basée en Chine me proposant un appareil et j'ai accepté directement. Donc, voici l'appareil en question. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a Apple CarPlay dessus, ainsi que Android Auto. Excusez-moi pour les reflets, voilà, je vais un petit peu incliner. Et donc ça va vraiment être génial. De plus, j'ai un petit peu regardé ses caractéristiques directement sur le site internet. Donc comme on peut le voir là, il y a marqué car, excusez-moi pour les reflets, voilà, car ABCD. Et c'est le ABC, pardon, car ABC, et c'est le modèle D808. C'est un écran qui se fixe directement sur le pare-brise. Donc c'est un écran qui se... Et moi j'ai vu aussi qu'il peut... Il y a des modèles avec deux supports. Donc comme vous le voyez, il est fermé. Il est sur blister, je l'ai toujours pas ouvert. Et moi j'aimerais bien avoir le modèle. Enfin, je sais pas si ce modèle offre les deux possibilités de fixation. Donc l'un sur le tableau de bord et l'autre sur le pare-brise. Donc assez parlé, je vais l'ouvrir avec mon petit outil là qui vient de l'enjoliveur, donc des aéro-wheels. Hop. Faudrait peut-être que je m'occupe, comment dire, que je prenne un couteau ou un cutter, un truc comme ça. Donc voilà, je vous l'ouvre. Voilà, c'est ouvert. Donc, alors, comment ça s'ouvre? Ah, ça se glisse. Voilà, je glisse comme ça. Tac. On peut voir là. Voilà. Là, il y a écrit quoi? Smart Scream, donc écran intelligent, écran portatif HD. Donc, hop, je l'ouvre. Voilà. Et donc voilà comment ça se présente. Bien emballé, nickel. Bon, ça. Je pose ça là. Donc, l'écran, le voici. Pardon. On va voir ce qu'il y a dans l'emballage. Et puis voilà, donc. Ah, ce modèle-là est qu'une seule fixation. Donc, là, comme on peut le voir, fixation sur ventouse. Et à l'intérieur reste ça. Donc un câble avec l'allume-cigare. Voilà. Donc là on peut voir. Voilà. Donc c'est comment. Hop là. Donc c'est un câble avec l'USB, voilà, là on peut voir, là il y a vous avez l'alimentation directement qui vient sur l'écran. Et puis vous avez le câble qui divise en trois, donc voilà, jack et USB. Donc, comme on peut le voir là. Donc l'écran se présente comme ça. Ah oui, et j'ai oublié de vous, il y a ça aussi. Voilà.
Donc, comment se présente l'écran? Là, on peut voir, là, vous avez les connectiques. C'est quoi? Oui, voilà. Donc, les connectiques et puis la fixation, l'endroit de fixation. Puis voilà. Après, il est où le bouton? Le bouton, il est où? Je vois pas de bouton, moi. Ah, non. Bizarre. Je vois pas de bouton. Bon, écoutez, je vais brancher le câble sur l'appareil là directement. Donc il y a un petit renfoncement là. Vous voyez. Donc je le branche dans le renfoncement. Il y a deux emplacements avec USB-C. Hein. Il y a celui-là et celui-là là. Hop. Comment dire. Et là, je prends ce câble là et je le branche. Voilà. Je vais soulever. L'allume-cigare se trouve sous l'accoudoir dans les Tesla. Hop, je l'ai branché, ça allumait directement. Vous avez aussi cette petite notice qui était dans la boîte, donc je viens de la voir. Et donc moi, vu que j'ai un iPhone, je vais appuyer sur Connect iPhone. Je vais allumer, donc le Bluetooth est déjà allumé. Je vais allumer le Wi-Fi. Donc je fais ça. Donc mon téléphone recherche. Donc là vous voyez, là je viens de trouver l'appareil. J'appuie dessus. Et donc qu'est-ce que dit le manuel une fois que vous l'avez trouvé? Voilà. Ah, il me dit que j'ai le code qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ce que je vais faire, là, je saisis sur mon iPhone en code Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Envoyer marqué connexion, se connecter. Je vais appuyer sur se connecter. Donc, voilà. Ça y est, je suis connecté. Donc on va voir ce que je peux faire. Je suis connecté et là maintenant il faut que je lance le partage d'écran avec cette petite icône là, les deux carrés. Donc voilà, là je viens, vous voyez là. Là ce menu là, vous le trouvez dans votre iPhone là. Pardon. Là ici direct. Et ici là, voilà, donc Apple CarPlay. Bon alors les amis, là je viens de connecter le Wi-Fi plus le Bluetooth de mon téléphone et là je suis connecté directement en Apple CarPlay. C'est génial ça, vous voyez. Donc là j'ai les apps, j'ai les applications, pardon. Ah oui. Donc ça va me faire du. Eh ben là, comme vous voyez, là j'ai ABRP qui va m'être utile. J'ai FreshMile. Donc j'ai ChargePrice. J'ai Electra. Il y a WhatsApp, ce qui est très 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 bien. J'ai Ulysse aussi. Ah oui, c'est cool ça. Bon, qu'est-ce qui manque? Ah oui, il y a aussi, oui, voilà, Charge Map, Charge Price. J'ai toutes mes petites applications. Donc, je vais tester quelque chose. Déjà, là, que j'ai ABRP. Ah, il me demande d'avoir ABRP Premium. Donc, j'ai déjà ABRP Premium, mais... l'application n'est pas ouverte sur mon téléphone, j'ai pas saisi les codes, il va falloir que je saisisse les codes. Donc car ABC, désolé, et c'est le modèle D808.
J'ai regardé sur leur site internet, ça coûte à peu près 200 €, en sachant que j'ai un code promotionnel pour vous qui va de 10 à 20%. C'est génial, franchement c'est génial. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais le connecter et je vous dirai ça de suite. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez ces connectiques là. Donc vous voyez, vous avez une prise DIAC. Voilà, donc avec ces prises là, vous pouvez les connecter à une source audio. Voilà. Donc je vais le tester, puis je vous ferai un petit retour là-dessus. Là, qu'est-ce qu'on peut voir aussi Donc là, vous avez le niveau de batterie. Vous avez le niveau de batterie de votre téléphone. À l'écoute, vous avez accès au réglage de votre iPhone. Non, c'est vraiment super. Déjà rien que le fait que vous puissiez aller sur WhatsApp, Ulysse et toutes les applications liées à votre VE, c'est quelque chose de super bien. Ça, je crois que ça va me servir. Vous le savez tous, hein, nous n'avons pas comment dire Apple CarPlay sur nos véhicules. Donc là, ça va être vraiment une bonne chose. Voilà. Ça c'est quelque chose, ça va être quelque chose de très bien. Voilà. Bon les amis, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Et moi, j'y répondrai avec grand plaisir. Encore une fois, c'est un écran que je viens de recevoir, comme vous l'avez vu. Je l'ai déballé, je ne le connais pas encore. Je vais vous le tester ces prochains jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'utiliserai pour mon voyage en famille jusqu'au Maroc, puisqu'il reprend les applications qui me seront le plus utiles pour la route. Là, vous voyez, vous l'avez vu, il y a Google Maps, vous avez toutes les applications des VE, là. Voilà, toutes les applications pour VE. Vous avez aussi les quelques applications pour d'Apple, pardon. Et que demander de plus? Que demander plus? Bah, dans tous les cas, je vous mets dans la description le nom du produit ainsi que le code promo. Voilà. Prenez soin de vous les amis et à très bientôt. Ciao.